que je vais faire avec toi, si tu as besoin d'idées ou si tu as besoin que quelqu'un te prête un objet pour ta présentation, tu vas lever ta main, on va regarder, puis moi je vais écrire sur la feuille qui amène quoi. Ensuite, je récupère ton document, je vais te le redonner à la prochaine période de pratique et tu pourras l'emmener à la maison en fin de semaine, ton document, pour te préparer. Jaden? Un tuba. Un tuba? Est-ce que quelqu'un a ça ou une idée pour en faire un? T'en as-tu un? Moi, j'en ai un. Tu l'amènes? Mais, mets-le pas dans ta bouche. Non. Ma bouche va rester croche. Si on commence par la main droite et on donne des coups de fouet. 1, 2, 3. On peut le faire quand même. 1, 2, 3 et 4. On fait des vols. 1, 2, 3 et 4. L'autre côté. 1, 2. Ah! Attends, mais j'ai deux mains poignées de terre. Oh. Regarde. Regarde. Allô. On va encore dormir ici. Bienvenue dans mon petit lundi, tout le monde. Je dis petit lundi parce que c'est la journée où j'ai deux périodes libres. Fait que ce matin, j'ai expliqué à mes élèves la présentation orale sur Frisson l'écureuil. Ils ont comme planifié leur présentation. Après, on a fait un cahier interactif sur les abréviations. Et là, ils sont en anglais. Puis j'en profite pour élaguer un petit peu ma to-do list. Donc, j'avais des plans d'intervention que j'avais dans mes choses qu'il fallait que j'aille replacer dans les dossiers. J'ai fait des photocopies pour mon enseignement sur les roches et minéraux qui commence demain. Donc, pendant la rotation, mes deux collègues vont faire de l'ECR, donc la culture religieuse, nos ateliers de religion qui vont mener au génie en herbe. Puis pendant ce temps-là, moi, ben, je vais enseigner en sciences les roches et les minéraux aux trois groupes. Fait que c'est ce que je vais faire. Je suis en train de finaliser. On a finalisé le plan de travail, mais je suis en train de faire la feuille d'information pour les élèves. Puis je suis en train de voir là, qu'est-ce que je vais donner à chacun des... Bien, on a dessiné ensemble. Chaque niveau de plan de travail faisait quoi. Sauf que moi, je me suis rendu compte que mes élèves qui partaient en orthopédagogie n'arrivaient jamais à finir le plan de travail. On leur en donnait moins parce qu'il manquait des périodes, mais je me rends compte que le moins, c'est pas suffisant. Fait que je suis en train de délaguer ça, je vais les imprimer, je vais placer les feuilles au bon endroit. J'ai un paquet de photocopies parce qu'on a tout envoyé à la repro pour l'étape, dans le fond, jusqu'à la semaine de relâche. Fait que là, j'ai une table pleine de photocopies qu'il faut que je classe, fait que je vais faire ça. Ce midi, le lundi, on se rencontre tout le temps en équipe de 5e année. Là, il faut qu'on mette des critères pour une C2. Il faut qu'on discute du... voyons, comment ça s'appelle? En tout cas, il faut qu'on parle de la vision puis des valeurs de notre école. On a ça à faire. Puis c'est ça. Fait que je vais quand même m'occuper. Puis après l'école, dans le fond, je peux pas partir à ma période libre à la fin de la journée parce qu'on a une réunion du personnel. Fait qu'il faut que je reste. Puis j'ai quelque chose à présenter aussi pendant cette réunion-là. Fait que voilà, fait que je vais continuer avec ma journée, puis on va se voir probablement cet après-midi. Si j'ai le temps de filmer, on fait des maths. Fait que, on se voit plus tard. Tu prends la cuillère rose. Non, 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 le micro, s'il te plaît. Tu prends la cuillère rose, pour ça ici. Et tu prends la cuillère, tu la remplis de mélange. OK, mets-le dans la tasse. OK, prends-en encore un petit peu. Remplis la peau au complet, mais reprends-en un peu. Tu vas prendre le contenant de lait et tu vas le verser au complet dans la tasse. OK, on le referme. Remplis à l'intérieur pour prendre une cuillère pleine d'huile. Et non, ça, il va t'en manquer. Mets-le, mets-le. OK, mets ça là. Prends celle-là, mélange. Là, les abonnés ne voient pas, là, mais il y a à peu près 3 autres élèves qui te regardent faire ton gâteau. 4 élèves. Parce que c'est trop abonné. 6. Jaden, toi, tu l'as pas déjà eu, toi? Est-ce que tu l'as eu? Moi, c'est le 2 oui, juin. Toi? Est-ce que oui. Tu l'as eu? OK. Attention, je t'en mets un petit peu. Moi, c'est au mois de juin, alors. Tiens, mélange encore. Chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir? Chocolat au lait. Chocolat au lait. Mélange. C'est délicieux. OK. Est-ce que tu veux des bonbons? Ouais. Tiens ça. Ça, tu peux le manger tout de suite, même si c'est pas cuit. Une petite cuillère, c'est pas grave. OK. Et là, pendant que moi, je vais le faire chauffer, tu vas laver ça chez Annie au lavabo.
OK. OK, je reviens. On y va. Bye bye. C'est mon chéri. Oh, yeah. Bon appétit. Oh, ça ah, attention, ça va être très chaud. Ça va être chaud. C'est frais. Regarde les tannins autour. Regarde les tannins. En British. Toi aussi, t'es tannin. Moi, j'ai juste tannin plus alors. Ah, est-ce que c'est bon? Oh. Oh là là, ça a l'air trop moche. On est tous. Magnifique. Si tu as magnifique sur ta face, c'est une bonne réponse, mais Rayla, t'as pas de points. Parce que quelqu'un d'autre l'a écrit. Mais c'est une bonne réponse, OK? Si je l'écris là, c'est que c'est bon. Quoi d'autre? Mégane. Majestueux. Je vais mettre au masculin, mais ça peut être majestueux, majestueuse. Si tu l'as, enlève-le. Jaden. Époustouflant. Époustouflant. On va aller voir. Dans Usito, par exemple. Époustouflant. Extraordinaire, incroyable, renversant. Ouais, on peut dire ça. On peut dire que ça peut fonctionner. Quoi d'autre? Olivier. Éblouissant. Éblouissant. Excellent. Si tu l'aurais le. Tu sais, quand le seul moment de la journée que tu as pour vlogger, c'est le soir à 4h40 dans ton auto, ça montre à quel point j'ai une grosse journée. Le mardi, vous le savez, là, c'est la journée pleine. Sauf que ce matin, j'ai commencé avec mes élèves, mais à 9h, j'avais une rencontre. Mes élèves commencent à 8h35, puis on n'est jamais vraiment prêt avant moins 20, moins quart. Fait que j'ai fait 15 minutes avec eux. Après, je suis partie. C'est mes collègues qui sont venus me remplacer. Là. Je me suis pas fait. Il n'y avait pas de suppléante pour moi, dans le fond, parce que c'était comme une rencontre qui était. En tout cas, bref, il n'y avait pas de suppléante pour moi à ce moment-là parce que c'était comme 30 minutes de la P1 puis 30 minutes de la P2 seulement. Fait que jusqu'à la récréation qui était à 10h12, j'étais là. Même ça s'était tiré pendant la récré, fait que je me suis levée de la rencontre pour un de mes élèves. Puis je suis arrivée dans ma classe, mes élèves étaient revenus de la récré, ils m'attendaient, étaient comme « bon, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, c'était le début de la rotation avec mes collègues. Puis moi, je commence la section roches et minéraux. J'étais super prête pour ça, là, ma planif puis tout. Sauf que là, fallait que je partais comme un gros cycle. Il fallait que j'enseigne, j'avais les miens. Après le dîner, j'avais les deux autres groupes de mes collègues. J'ai pas vu mes élèves de l'après-midi. J'ai eu à peine de récréation parce que, bon, j'étais allée au casier, j'étais allée aux toilettes, je me suis assise puis ça ressonnait, fait que j'ai recommencé. La fin de journée, c'est tout le temps un petit peu chaotique. Ah, puis là, j'avais plein de choses à faire. J'essayais de voir qu'est-ce que je vais faire sur ma to-do list. Puis j'ai juste fait comme, tu sais quoi, je vais juste tout mettre ça dans le sac puis aller faire ça chez nous. Faut que je corrige les trois groupes pour ce qui est des sciences. Aujourd'hui, on fait une hypothèse, fait que je vais aller leur mettre une note sur ça. Et puis voilà, c'était ça ma journée aujourd'hui. Fait que là, je m'en vais chez moi. Et puis, corriger un petit peu, parce que moi, mon chum, on aimerait ça aller au cinéma ce soir. Fait que si je veux me permettre une sortie, il faut que j'avance un petit peu mes tâches pour pas me mettre de plus en plus en retard. Donc, j'arrête de vous parler sur ça et je m'en vais chez moi. On se voit le demain matin. On est en train de travailler le texte comparatif. Donc, on a comparé vipère, couleuvre, on a comparé dromadaire, chameau. Et là, on est en train de comparer judo, taekwondo. Parce qu'éventuellement, vous allez comparer les dieux et les déesses. On fait ça dans quelques minutes. Donc là, ici, tu me trouves des choses, des éléments pareils, des éléments différents pour me les comparer. Phaéton a les cheveux frisés, de même que Dionysos. Oui, de même que. Excellent! Phaéton a une robe blanche tandis que Dionysos a une robe rouge. Excellent! Je sais pas si ça doit être utile. Ok, vas-y. Les deux ont des cheveux bouclés. Les deux ont les cheveux bouclés. Moi, fait qu'on est rendu mercredi après l'école, puis j'ai complètement oublié de filmer tout l'après-midi. Parce que dans le fond, quand mes élèves sont partis en plastique ce matin, j'ai rangé ma caméra. Parce que j'aime pas ça la laisser à la vue de tout le monde là, quand je suis pas dans ma classe ou quand je me promène. Puis j'ai juste oublié de la ressortir, puis quand ben je la ressors pas, puis qu'elle est pas sur mon bureau, j'y pense pas dans le feu de l'action. Mais pendant ma période, j'ai couru partout parce que j'ai géré des conflits de mes élèves qui avaient eu pendant la récré. Après ça, j'ai géré un de mes élèves qui était en suspense, ben qui était en terre d'accueil, qui avait du travail à faire, du plan de travail avec mes collègues. Fait, finalement, je pense que je me suis pas assise comme pour corriger mes choses, mais j'ai fait des tâches quand même qui étaient nécessaires. Sur l'heure du dîner, j'avais une récupération en lecture avec des élèves. Ils ont oublié, ils sont arrivés un petit peu en retard. Fait que là, c'était rushant un peu. J'ai mangé vite. Après ça, les élèves sont revenus. On a fait du français tout l'après-midi. Puis là, je suis vraiment énervée parce que demain... mon néon vient de lâcher.
Fait que ça me fait penser qu'il faut que j'aille dire au concierge que mon néon, il flash puis ça gosse mes élèves. Bon, bref. Demain matin, on donne le premier agenda depuis le retour des fêtes. On commence le premier plan de travail depuis le retour des fêtes. Et en après-midi, on a un BDiste qui vient nous rencontrer, donc Michel Grant, qui vient faire un atelier de BD avec nos élèves. Donc là, demain après-midi, c'est mon tour, là, parce qu'on vu qu'on est 5 groupes, bien, il vient sur plusieurs journées. Puis vous l'avez vu l'année passée dans mon vlog, puis il est vraiment génial. Puis les élèves ont hâte, puis moi aussi j'ai hâte, puis je suis sûre que ça va être un super bel après-midi. Je suis contente que ce soit un après-midi parce que mes élèves sont moins disponibles. J'ai beaucoup d'élèves qui ont besoin de bouger, puis qui ne peuvent pas rester concentrés là, indéfiniment. C'est juste pour savoir où je vais commencer et terminer ma ligne. Je clique mon crayon, j'appuie la lettre et je la redresse. Je rejoins les deux lignes, les deux points, pardon. Cette ligne-là, c'est le début du rectangle que je reproduis sur la feuille. Êtes-vous capable de faire ça? Action! D'abord, bienvenue dans notre vendredi. Je parle aux abonnés. Bon, j'aurais aimé ça filmer ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a fait du yoga, on a déplacé toutes les tables, puis on est chanceux parce qu'on a des tapis pour chaque élève. Pour vrai, oui, parce que j'en faisais l'année passée, puis j'en ai juste 2 à moi, fait que c'était vraiment difficile. J'aurais aimé ça filmer, mais j'étais trop occupée à montrer la salutation au soleil. Donc voilà. On a fait plan de travail, ça a bien été. Hein? Si ça avait été votre post-it d'aujourd'hui, là, vous l'auriez eu. Et après ça, ben, j'ai commencé à enseigner le cercle en mathématiques. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Oh oui, c'est bon. Qu'est-ce qui est arrivé? On s'est trop énervé. Non, vous étiez plus concentrés, donc on était plus disponible. Donc on a fermé ça. On en a profité, vu qu'on est vendredi, pour laver nos tables. Et là, avant d'aller dîner, parce qu'il reste à peu près 12 minutes, on va jouer au Jekia. Donc c'est toi qui as la première. Vas-y, lève-toi. J'ai la première carte. Qui a une demi? J'ai une demi, qui a deux tiers. J'ai deux tiers, qui a quatre sixièmes. J'ai quatre sixièmes, qui a cinq huitièmes. J'ai sept neuvièmes. J'ai 7 neuvièmes. Qui a 4 cinquièmes. J'ai 4 cinquièmes qui a 2 cinquièmes. Hey, j'ai 2 cinquièmes qui a 3 quatrièmes. Trois quarts. Trois quarts. C'est ça que j'allais dire. Qui a un quart? Je voulais juste vous dire qu'on est vendredi P5 puis on s'en va finir la journée. On s'en va où? On s'en va dehors. On s'en va dehors.